Ok, c'est Sinox. Donc je suis avec Racine. Si. Donc t'es un rappeur africain. Rappeur africain, je représente le rap africain en Europe. Ça fait 10 ans que je cultive le rap Poulard. Donc Poulard, pour les gens qui savent pas c'est quoi, tu peux rappeler un petit peu? C'est la langue ethnique Peul. Donc ça fait un petit moment que je ne l'ai pas créé, mais je l'ai mis au top, ça c'est sûr, ça fait 10 ans que je le cultive. J'ai créé un studio en Guinée, Racine Prod, Big Up à tous mes petits. Et là je viens de faire un label à Genève, donc il y a tout ça qui arrive, quoi. Le rêve va devenir réalité. Ouais, c'est Racine. Ça que tu me disais qu'il y a un gros studio qui a été créé en Suisse. Oui, si, le label que je viens de monter, appelé Da Record. Donc j'étais obligé de tout faire parce que déjà nous en Suisse là-bas, donc c'est mort. Le rap, il est pas... Et moi, je fais pas du rap suisse. Je fais du rap immigré suisse. C'est ça la différence. Faut que les gens ils comprennent que ça fait un petit moment qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont arrivés en Suisse et que déjà, on a pas mal de problèmes avec le pays. Mais c'est ça, c'est quelque chose que les politiques veulent cacher aussi. Exactement. Et les médias. Exactement. Et moi, je me suis battu. Big up à Afa Family qui m'a beaucoup soutenu pour monter le label et dénoncer tous ces trucs qui se passent en Suisse. Parce que pour moi, je trouve que le rap suisse, ça n'existe même pas. Mais que le peu qui existe, ils ne parlent pas des choses qui se passent réellement. On dirait qu'ils sont frustrés de raconter ou ils ne le connaissent pas. Alors que nous, on est là, ça fait 10 ans qu'on vit cette galère, qu'on est en justice, ils nous interdisent la Suisse pendant des années. Mais quoi qu'ils fassent, c'est là-bas qu'on va vivre. Et pour montrer à cette partie politique qui veut qu'on reste pas en Suisse, j'ai créé mon label pour montrer qu'on peut s'intégrer. Il faut juste qu'ils nous donnent les moyens de s'intégrer. Voilà, comme ça. Et la nuance, c'est que toi, tu appelles ça du rap immigré. Du rap immigré, parce que c'est du rap qui dénonce vraiment ce qui se passe dans les prisons. J'ai des frères qui sont enfermés parce qu'ils n'ont pas de papier. Là-bas, en fait, en Suisse, quand tu te fais contrôler 2 fois, tu vas en prison. Et on ne sait pas pour combien de temps. Donc, pour eux, comme il n'y a personne qui va venir, tu vas te réclamer, tu n'as pas de droit, tu es un sans-papier, tu es personne. Donc ils font ce qu'ils veulent avec toi, la police, ils font ce qu'ils veulent. Et tout ça, il n'y a personne pour dénoncer. Donc moi, j'ai créé mon propre label pour produire des artistes. Je ne suis pas le seul, il y a des artistes qui vont arriver. Et on va dénoncer tout ça. Et le rap immigré suisse, bientôt, Inch'Allah, vous allez entendre parler. Mais je pense que tu auras plus le temps de nous expliquer ça dans une prochaine interview. Exactement. Là, bientôt, on aura le temps de parler de tout ça. Inch'Allah, big up à toi, Sinox. Au plaisir. Et Paris, vous allez découvrir le rap africain. Inch'Allah, big up.